même c'est au moment où Victoria s'est assise sur cette chaise qu'elle s'est vraiment rendue compte qu'elle était sur le point de devenir reine. Dans ces conditions, pourquoi ne pas aller au pub, alors que votre maison est si horrible? Vous voulez créer un château pour impressionner ses amis, ça vaut la peine. Je ne connais pas un policier assez malin pour pouvoir m'arrêter, votre ami Jack l'Éventreur. Elle n'a que 18 ans et déjà son tempérament énergique, passionné, transparaît. Vous avez intérêt à avoir faim parce que c'est pas fini. Catherine II souhaite que ce palais qu'elle fait construire tout spécialement pour son favori soit égal à celui d'un tsar. Elle était absolument éblouie par les performances sensuelles de Potemkin. Ici sont conservés même les morceaux de la salive de Voltaire. Elle démontre à toute l'Europe que dorénavant, à la tête de la Russie, il y a une impératrice civilisée. Ce nouvel épisode du Grand Tour va nous emmener sur les traces de deux grandes souveraines qui ont marqué l'Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Il s'agit de Catherine II en Russie, la Russie où nous irons dans la deuxième partie de ce voyage, et de la reine Victoria en Grande-Bretagne, d'où notre arrivée ici à Londres, dans cette gare de Saint-Pancras, qui est un des vestiges de l'ère victorienne. Londres a été fortement marquée par le 19e siècle. Et ce siècle, c'est le siècle d'une femme, la reine Victoria. C'est son histoire que je vais vous raconter. Hello, sir. Are you free? Westminster Abbey, please. OK. Alors, pourquoi commencer l'histoire par Westminster Abbey? Eh bien, tout simplement parce que c'est là que le destin de la jeune Victoria va basculer. En plein cœur de Londres se dresse l'imposante abbaye de Westminster. Elle est le symbole de la famille royale anglaise pour les mariages, les funérailles ou les couronnements. Le 28 juin 1838, la jeune Victoria y est sacrée reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. L'abbaye est étincelante pour l'occasion. Des gradins sont spécialement installés pour les milliers d'invités. L'historienne Lucy Worsley nous ouvre les portes de la chapelle. Le meuble le plus symbolique de la cérémonie y est conservé, la chaise du couronnement. Ce trône a plus de 700 ans. Il a été conçu pour Édouard Ier. Sa particularité est qu'il a été utilisé pour chaque couronnement depuis. C'est le meuble le plus ancien et le plus important ici. C'est au moment où Victoria s'est assise sur cette chaise qu'elle s'est vraiment rendue compte qu'elle était sur le point de devenir reine. Depuis le premier couronnement au XIe siècle, le cérémonial extrêmement codé est immuable. Mais ce jour-là, surprise,
tout ne se passe pas comme prévu. Le doyen de Westminster est malade à ce moment-là et personne ne se souvient vraiment du protocole. Alors il y a cette légère atmosphère de chaos. Certaines personnes ne savaient pas ce qui devait se passer, à commencer par la reine. À un moment, l'évêque de Durham lui donne le globe royal et elle se demande quoi en faire. Elle ne sait pas. À un autre moment, l'archevêque de Canterbury lui passe un anneau au doigt, mais il se trompe de doigt. C'est trop serré. Il va du coup forcer, c'était très douloureux pour Victoria. Et juste avant la fin, l'évêque de Bath et de Wells saute plusieurs pages du livret et le service se finit soudainement. Mais il se rend compte de l'erreur et revient en arrière et finit la cérémonie dans les règles. Ces quelques impairs passeront presque inaperçus, tant l'émotion est forte dans l'assemblée. Lorsque la procession quitte l'abbaye, ce sont 400 000 personnes qui acclament Victoria. La nouvelle reine met enfin un terme à la succession de plusieurs rois mal aimés. Victoria est issue de la dynastie de Hanovre, qui est devenue très impopulaire. Il y avait un roi fou et vieux, un roi qui était mauvais, qui buvait beaucoup et avait énormément de maîtresses. Et il y avait un roi qui n'a pas vraiment laissé une bonne impression, puisque c'était plutôt un homme ordinaire, c'était l'oncle de Victoria. Alors quand elle arrive au pouvoir, elle a 18 ans, elle est belle, c'est une figure romantique, fraîche et virginale. Elle est le symbole d'une renaissance pour la monarchie. Et tout le monde est heureux, elle représente un espoir pour le futur. Pourtant, rien ne prédestinait la jeune fille à devenir reine. Le roi Guillaume IV, n'ayant pas d'enfant légitime pour lui succéder, ce sera donc sa nièce, Victoria, qui héritera de la couronne. Pour vous raconter l'histoire de Victoria, je vous emmène dans le centre de Londres, au palais de Kensington. C'est ici, au palais de Kensington, que Victoria va vivre son enfance. Une enfance pas très heureuse, d'après ses propres dires. En effet, elle est orpheline de père et elle est élevée entre une mère qui est avide de pouvoir et un écuyer qui va lui servir de véritable cerbère. Alors ce palais, eh bien, vous le reconnaissez, il a été récemment sous les feux des projecteurs puisque c'est ici que William et Kate et leur fils George habitent désormais. Le palais de Kensington est l'une des résidences de la famille royale britannique depuis plus de 3 siècles. En 1819, le prince Édouard Auguste et son épouse, la duchesse de Kent, s'y installent. Leur fille, Victoria, naîtra cette même année. Malgré le destin exceptionnel qu'attend Victoria, elle va vivre dans cette chambre une jeunesse mélancolique, sous le contrôle étroit de sa mère. La duchesse de Kent est convaincue que Victoria accédera un jour au trône. Elle prépare sa fille à cette éventualité et lui impose une éducation très stricte. La duchesse de Kent a élaboré pour sa fille un ensemble de règles visant à la protéger, connu sous le nom du système Kensington. Celui-ci définissait un cadre de vie que la princesse devait respecter. Par exemple, quand elle montait ou descendait les escaliers, elle devait tenir la main de quelqu'un. Elle était aussi isolée des enfants de son âge. Elle était toujours en compagnie d'un adulte et ne restait jamais seule dans une pièce. Et la pire de toutes ces règles, c'est qu'elle devait partager sa chambre avec sa mère, et ce, jusqu'à parce qu'elle est 18 ans. Cette protection permet à la duchesse de servir ses propres intérêts. En effet, si Victoria venait à hériter de la couronne avant sa majorité, c'est elle, sa mère, qui deviendrait régente. Aidée par son intendant manipulateur, elle va tout tenter pour être en mesure d'exercer le pouvoir.
Le contrôle exercé par la duchesse de Kent sur sa fille prend encore plus de proportions en 1836, lorsque Victoria a contracté une maladie qui la cloue au lit. Elle était tellement malade qu'elle ne pouvait plus marcher et avait perdu beaucoup de cheveux. C'est à ce moment-là que la duchesse et Sir John Conroy en ont profité pour essayer de convaincre la princesse de signer un document. Celui-ci stipulait que si le roi mourait avant le 18e anniversaire de Victoria, la duchesse deviendrait régente et Sir Conroy son secrétaire personnel. Victoria ne signera pas ce papier. Ce refus témoigne déjà de sa force de caractère, une volonté de faire dont elle fera preuve toute sa vie. Pour l'heure, son oncle Guillaume IV est toujours sur le trône, mais sa santé décline. Le roi avait pris une résolution. Il voulait rester en vie jusqu'aux 18 ans de Victoria. Et il l'a fait. Il décède moins d'un mois après le 18e anniversaire de Victoria. Ainsi, le problème de la régence ne se posait plus. Le 20 juin 1837, Guillaume IV s'éteint et le destin de Victoria bascule. Elle devient reine. Ce salon rouge, il est particulièrement intéressant parce que c'est ici que la jeune princesse Victoria va prononcer son premier discours de reine. En effet, ce jour-là, dès 6 heures du matin, on lui apprend le décès de son oncle Guillaume IV et que c'est elle désormais qui va régner sur le royaume. À 11 heures, elle fait son entrée dans ce salon. Elle a en face d'elle une centaine d'hommes, tous les officiels du royaume, et cette scène est représentée sur ce tableau. On voit bien avec ce tableau l'impact que produit sur les visages de ces hommes cette jeune reine. Elle n'a que 18 ans à l'époque, elle mesure 1,50 m et déjà son tempérament énergique, passionné, transparé. Elle signe là officiellement le fait qu'elle accepte de devenir reine. Alors pour l'anecdote, eh bien, ce jour-là, elle n'est pas habillée en blanc, elle porte une robe noire en signe de deuil, mais visiblement, l'artiste a voulu rendre encore plus lumineuse cette jeune reine. La nouvelle souveraine quitte le palais de Kensington. Elle n'y retournera plus pendant 30 ans. Elle choisit Buckingham Palace comme nouvelle demeure royale. Victoria est la première souveraine à s'installer officiellement dans cet immense palais. Victoria est reine, mais célibataire. Les conventions sociales exigent d'elle qu'elle se trouve un mari. À 20 ans, elle revoit son cousin Germain, le prince Albert de Saxe-Cobourg, qu'elle avait rencontré quelques années plus tôt. L'adolescent est devenu un jeune homme séduisant. Le coup de foudre est immédiat. Contrairement aux traditions, c'est elle qui demande Albert en mariage. Les noces sont célébrées le 10 février 1840. Tous les regards sont alors braqués sur elle, et plus particulièrement sur sa robe. Sassy Holford est créatrice de robes de mariée. Elle nous décrypte la tenue de Victoria. Queen
La reine Victoria était petite, donc il fallait qu'elle ait l'air grande pour l'occasion. Ils ont dessiné cette encolure qui fait le tour complet du décolleté et une manche bouffante. Ensuite, ils ont ajusté la robe à la taille et élaboré une jupe plissée. C'est ce qui donne cette silhouette très fine. Et c'est une mode que l'on retrouve aujourd'hui encore dans les robes de mariée. À l'époque, il est coutume pour un monarque de se marier dans son manteau de couronnement. Mais pour Albert, Victoria fera une exception. Le jour du mariage, elle apparaît dénuée de tout signe de royauté. Elle choisit une robe en soie blanche. Contrairement à l'idée reçue, le blanc n'a pas été choisi pour symboliser la pureté. Historiquement, Victoria portait du blanc car cette couleur était un signe de richesse. À l'époque, il était difficile d'obtenir une robe en soie claire. Il n'existait pas encore les techniques de blanchiment actuelles. Le mariage de la reine et du prince Albert montrait clairement qu'ils étaient dévoués l'un à l'autre pour le reste de leur vie. Ils symbolisaient le bonheur, c'est ce qu'on pourrait appeler un mariage réussi. Je pense que cela a aussi aidé à faire du blanc le symbole de cette cérémonie, tel qu'il est encore aujourd'hui. Victoria et Albert s'aiment profondément. Ils ont beaucoup de choses en commun, et notamment la passion de l'art. Ils s'offrent souvent des cadeaux. Et pour les 24 ans d'Albert, eh bien Victoria va lui offrir son portrait. Ce tableau est extrêmement précieux parce qu'il dévoile une intimité qu'il est extrêmement rare de voir chez une souveraine. Effectivement, ce n'est pas un tableau officiel. Le cheveu est défait, l'épaule est légèrement dénudée. Il y a là une proximité inhabituelle, voire osée, pour l'époque. Si bien que Albert gardera ce tableau précieusement dans sa chambre et seul le couple pourra partager cette émotion. Ce tableau ne sera révélé au public qu'en 1977. La complicité entre Victoria et le prince Albert n'est pas seulement d'ordre privé. Ensemble, ils vont régner sur un royaume en pleine mutation. Ce 19e siècle est marqué par l'apogée de la révolution industrielle. Les nouvelles inventions changent profondément la société. Londres a su préserver dans son mode de vie les traces de cette époque. Tous les soirs, à la sortie des bureaux, les Londoniens se retrouvent dans les pubs. Nous sommes dans le quartier de Paddington. Le Victoria est ce qu'on appelle un pub victorien traditionnel. S'il porte le nom de la reine, c'est qu'une légende se raconte autour du comptoir. Chris est le propriétaire des lieux. Il y a cette rumeur, enfin je dis bien une rumeur, selon laquelle la reine Victoria serait venue boire une pinte ici, en allant vers Paddington Station. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est l'histoire que je raconte à tout le monde. Vrai ou fausse, la légende a façonné ce lieu. Depuis 150 ans, sa décoration intérieure est entièrement dédié à la reine. Au 19e siècle, les brasseurs de bière veulent ouvrir des établissements de qualité pour attirer la nouvelle classe moyenne. Ils font alors appel aux artisans les plus réputés pour les décorer avec les matériaux les plus chers. Tout est fait pour qu'on se sente à l'aise et qu'on y reste longtemps. Au 19e siècle, il y aurait eu foule ici. Les maisons étaient si froides, humides et pauvres. Bref, très ennuyeuse. Alors que le pub, c'était ce grand endroit chaleureux au coin de la rue, où vous pouviez boire un coup, discuter avec des gens, éventuellement flirter un peu. Et voilà. Dans ces conditions, pourquoi ne pas aller au pub, alors que votre maison est si horrible? C'est la même chose aujourd'hui. Si aujourd'hui, tout le monde se mélange dans ce pub,
À l'époque, il n'est pas convenable de boire sa bière avec une personne d'un autre rang. Alors, pour ne pas perdre une partie de la clientèle, les propriétaires ont une idée. Vous voyez ici, vous aviez deux portes différentes pour entrer dans le pub. Celle-ci existe encore, celle-là était condamnée. Il y avait beaucoup de vitres. Cette partie-là, par exemple, aurait été isolée pour donner un petit recoin séparé. Il pouvait y en avoir un autre là ou encore un autre ici, avec des portes coulissantes souvent. Cela permettait de ne pas voir le barman. Il suffisait de faire glisser la porte et dire « Hey, pourrais-je avoir une autre pinte ?» Il y avait différentes sections, en fait. Parfois, les clients voulaient un peu d'intimité. C'était aussi une question de classe sociale. À l'étage, le pub conserve un authentique espace privé avec ce salon anglais. Charles Dickens y aurait trouvé l'inspiration. Les propriétaires de pubs ont gagné leur pari. Les clients restent de longs moments dans leurs établissements, au point de s'attarder un peu trop. Il a alors fallu trouver des solutions. Ça veut dire dernière commande. Normalement, on la sonne à 11h10 tous les soirs. Ça veut dire qu'il reste 10 minutes pour commander un verre. Et à 11h, plus de boissons. Cette règle a été instaurée pendant la Première Guerre mondiale. Avant, les pubs restaient ouverts plus longtemps, mais les gens avaient tendance à trop se saouler. Comme ils buvaient tous les soirs, ils n'allaient plus à l'usine, où ils devaient fabriquer les munitions. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place cette loi. Au Victoria, on continue de sonner la cloche, histoire de ne pas oublier les traditions. Si le pub est le passage obligé des londoniens après leur travail, il y a également dans l'après-midi un moment incontournable pour eux, c'est le tea time. Cela fait partie de l'art de vivre des londoniens. Et pour illustrer ce moment, eh bien, je vous propose de pénétrer dans cet établissement, le Connaught. C'est une institution ici à Londres. Il a été baptisé ainsi en l'honneur du fils de la reine Victoria, le duc de Connaught. Et il est tenu par un grand chef français, Hélène Darroze. Elle nous attend. Hélène Darroze fait partie d'une grande famille de chefs étoilés du sud-ouest de la France. Aujourd'hui, elle partage son temps entre Paris et Londres. Et regardez, je vous ai préparé un tea time. Oui. Et je vais un peu vous initier à cette culture, à cette tradition anglaise. Regardez. On s'assied ? On s'assied. Voilà. Ben, le tea time, voilà, il est ici, il est comme ça. C'est pas copieux pour un tea time ? Alors, le tea time, c'est presque un vrai repas, hein, il faut quand même l'admettre. C'est une institution, hein, vraiment, les Anglais ne dérogent pas à ça. C'est surtout le week-end, là, c'est l'heure du tea time, elle est sacrée. C'est très, très culturel, en fait. Hein. Et c'est un vrai repas. Moi, quand je prends un tea time l'après-midi, le soir, je me mets pratiquement pas à table, quoi. Alors, on commence par les sandwichs. Dans le tea time, Hélène, il peut y avoir du salé ? Ah mais il y a du salé, c'est pas qui peut, c'est la première étape du tea time, c'est le salé. Avec le sandwich au saumon fumé, le sandwich au jambon, le sandwich au fromage et le fameux sandwich au concombre. On commence par ça. D'accord. On commence par le thé, bien entendu. Et après ça, si on a encore un peu faim... Ah mais vous avez intérêt à avoir faim parce que c'est pas fini. Après les sandwichs, on a les fameux scones. Qu'on peut avoir nature ou avec des fruits secs à l'intérieur. Vous allez montrer comment on mange un scone. Parce que moi, j'adore ça. Donc, on l'ouvre en deux, comme ça, vous voyez. Moi, j'adore ça. Hein. Je suis maintenant une scone addict. Donc, de la crème, et bien de la crème. Hein.
On ne tartine pas comme du beurre. C'est ah non, non. Carrément, là, c'est... Oui, oui. On en met vraiment beaucoup. Toujours les kilos. Oui, exactement. C'est quand même pas très light, hein, il faut le dire. Voilà. Et le scone, s'il se mange un peu tiède, il est bien quand il est tiède. Et après la confiture. Hein. Donc là, je choisis une confiture d'orange, mangue et fruits de la passion. Donc, les sandwichs dans un premier temps, le scone traditionnel après. Voilà, exactement. Et il y a une troisième partie. Bah, les pâtisseries. Après, vous avez les pâtisseries. Vous avez plein de petits entremets, de petites pâtisseries, aux fruits, aux chocolats. Donc le tea time, ce n'est vraiment pas un petit encas, c'est un vrai repas. C'est un vrai repas et c'est surtout, pour moi, un vrai moment de partage. Vous ne trouverez jamais dans la salle du restaurant une personne seule à prendre son tea time. Je n'ai jamais vu ça. Ce sont des grandes tablées, on partage. C'est vraiment un moment très privilégié dans la vie des Anglais, ce tea time. Quoi. Et le thé, alors ? Alors le thé, moi c'est pareil. Hein, oui, il y a un thé. D'abord, ils prennent des thés qui sont fermentés en général, hein, et des thés noirs. Le thé de prédilection pour eux, c'est le Earl Grey avec de la bergamote à l'intérieur. Hein, c'est vraiment leur thé à eux. Mais ils ont quand même, dans tous les restaurants, dans tous les lieux où vous avez le tea time, il y a une vraie carte de thé, comme vous avez une carte de vin. Quoi, hein, il y a 20 ou 30 sortes de thé. Voilà. Et eux, ils ont la particularité, alors que moi, je ne supporte pas de les infuser, mais c'est vraiment très fort et très noir. Et moi, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Donc voilà, bien sûr, on commence par ça, hein, en fait. On commence par choisir le thé. Hein. On sait que c'est la reine Victoria qui fait rentrer le tea time et le thé à Buckingham. Aujourd'hui, la reine continue cette tradition. Reine, oui, tous les jours, paraît-il, à une heure précise, au milieu de l'après-midi, voilà, c'est ça. Avec une grosse particularité, c'est que où qu'elle soit dans le monde, elle a le thé, le tea time. Hein, et elle voyage avec son eau. Je crois que c'est une eau qui vient du château de Windsor, mais je ne suis pas sûre de l'origine. En tous les cas, on voyage avec bidons d'eau pour le thé de la reine. C'est assez... Et elle ne prend son thé qu'avec de la orange marmalade, de la confiture d'orange. Voilà. D'accord. Et les Anglais, aujourd'hui, sont adeptes de ce tea time Dans toutes les générations. Mes petites filles, aujourd'hui, bon, qui sont françaises, mais enfin, qui ont la double culture, on va dire... Le tea time pour elles, l'après-midi, c'est vraiment un super moment le week-end, quoi. Elles ont pris exemple. Et vous-même, quand vous revenez en France Ben, je me fais quelques tea time. Surtout, j'invite à la maison. Moi, mes copines adorent ça. Hein. Je ramène les scones, qui sont à peu près cuits. Je finis de les cuire dans mon four là-bas pour qu'ils soient bien chauds et bien croustillants. Et puis voilà, on y va. Je ramène la clotted cream parce qu'on doit en trouver en France. Mais voilà, moi, c'est un moment que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est un vrai moment de partage. Alors, je vais goûter mon scone. Il est là. Ah ben, c'est gentil. Voilà, là. Moi, je vais goûter le thé, même si je suis pas très. Oui, il est déjà plus amer par rapport et à oui, tout à l'heure. Voilà. Au niveau de l'architecture. Le règne de Victoria est marqué par la reconstruction du palais de Westminster, détruit par un incendie en 1834. Il est le siège du Parlement. Big Ben devient l'emblème de la ville. Cet ensemble architectural illustre la grande tendance de l'époque, le néo-gothique. Un style qui caractérise de nombreuses églises londoniennes. C'est le cas de l'église de All Saints, un pur chef-d'œuvre construit en 1850. Chris Mill nous y attend. Il est historien de l'architecture et s'est intéressé aux nouveaux matériaux utilisés pour la construction de cette église.
On utilise des vitres, ce qui permet de construire de grands vitraux et de faire entrer plus de lumière. On introduit des lampadaires au gaz, qui permettaient de mettre en avant des intérieurs plus colorés, car mieux illuminés. On utilisait le fer et parfois même l'acier afin de construire de grands espaces, jamais vus ou créés auparavant. Les architectes utilisaient ces nouveaux matériaux pour leurs projets, les mettant en avant directement ou bien en les cachant derrière des décorations plus traditionnelles. Si la décoration de cette église est d'inspiration médiévale, sa réalisation bénéficie des avancées industrielles de l'époque. Ce petit carreau raconte une grande histoire. Il est basé sur un motif médiéval. Mais pendant le règne de Victoria, la méthode de fabrication des faïences est industrialisée. La production atteint alors des quantités bien supérieures à l'époque médiévale. Les carreaux étaient utilisés dans des églises, des bureaux, des maisons, et ce motif médiéval a été exporté à travers tous les territoires de l'Empire britannique. Dans la campagne anglaise se trouve une résidence exceptionnelle. Elle illustre parfaitement le goût développé par l'aristocratie pour cette nouvelle mode du néo-gothique. C'est le château d'Eastnor. Il domine les collines du Herefordshire. Cette forteresse date du début du 19e siècle. Si l'extérieur s'impose dans un genre plutôt austère, l'intérieur est tout autre. James Hervey Bathurst a grandi dans cette immense demeure. Aujourd'hui, il y habite avec sa femme et ses deux filles. Ça me rappelle que pendant mon enfance, lorsqu'il pleuvait et mon frère et moi avions envie de faire quelque chose, ma mère nous a dit que nous pouvions circuler un peu dans la halle et dans les autres salles. Et pour des garçons, c'était amusant de faire des courses à l'intérieur. Ce château est dans la famille depuis deux siècles. Dans cet immense espace, les souvenirs de cette lignée de grands collectionneurs s'accumulent. Chaque génération d'occupants a apporté sa pierre à l'édifice. Cet héritage, James en est particulièrement fier. Ça, c'est mon ancêtre, John Somers Cox, qui a fait construire le château entre 1812 et 1820. Il voulait créer un château pour impressionner ses amis. Et il ne se sentait absolument pas menacé par les développements en Europe à ce moment-là, en France, avec la Révolution, avec Napoléon. Comme aristocrate anglais, il se sentait « je suis sûr de ma position, je suis sûr de ma fortune, je vais construire quelque chose qui va durer très longtemps et il n'y aura pas de révolution en Angleterre, ça vaut la peine. » L'ancêtre de James va donc faire appel au plus grand décorateur de l'époque. Avec près de 100 pièces, les travaux d'aménagement intérieur vont s'étaler sur plusieurs décennies. Le château est le parfait exemple de la décoration en vogue à l'époque victorienne. Comment témoigne cette bibliothèque ? Pour moi, c'est ma pièce préférée, parce que j'adore la décoration. Je trouve que c'est un très bon goût, un très grand mélange de couleurs. J'adore les livres en cuir, comme ça. Le projet est faramineux. Les meubles sont directement livrés d'Italie.
Le salon est imaginé par le grand architecte de l'époque d'origine française, Augustus Pugin. C'est lui qui a déjà signé le style néo-gothique du nouveau Parlement. Il n'a pas que fait la décoration, mais il a dessiné le chandelier, les meubles, la table, le bureau. Ils ont fait les tuiles dans la cheminée. Ils ont créé toute l'ambiance de cette salle. Le salon va faire sensation. On disait que peut-être la reine allait visiter Isnor, mais heureusement, elle n'est pas venue. Parce que nous avions peut-être déjà fait 7 salles, mais si vraiment elle aurait été venue, nous aurions dû peut-être faire des chambres aussi pour elle. Ça pouvait coûter très cher si on refaisait sa maison pour recevoir la reine. À Londres, la population explose au 19e siècle. Elle passe de 1 à 6 millions d'habitants. L'hygiène publique devient catastrophique. En 1858, la ville est même envahie par une grande puanteur. Cet événement va pousser les autorités à réagir. La solution au problème est trouvée à quelques kilomètres à l'est de la capitale, au bord de la Tamise. Je vais vous montrer un endroit totalement insolite de la banlieue de Londres. Venez avec moi. C'est une station de pompage des eaux usées de Londres qui date de l'époque victorienne. Elle abrite 4 énormes machines à vapeur qui sont chargées de récupérer les ordures de la ville. Il faut dire qu'en ce temps-là, les égouts de Londres se déversent dans la Tamise et il y a tellement de détritus, tellement d'ordures, selon certains témoignages, que l'on peut marcher sur la Tamise à marée basse. La décoration de ce lieu est très étonnante. Et en même temps, elle contribue à faire de cette station une véritable cathédrale industrielle. Ces machines font partie des plus grandes machines à vapeur de l'époque. Elles portent naturellement les noms des membres de la famille royale. On a donc une pompe Victoria, prince consort, Albert-Édouard et Alexandra. Plus récemment, cet endroit a servi de cadre au film Sherlock Holmes. Si Sherlock Holmes n'est qu'un personnage fictif imaginé par Sir Arthur Conan Doyle, un assassin défraie réellement la chronique de l'Angleterre victorienne. C'est en pleine nuit, dans ces ruelles de Whitechapel, sombre quartier de l'Est londonien, que 5 prostituées sont assassinées avec une cruauté sans précédent. L'historien Éric Simon nous emmène sur les traces de cette affaire non élucidée. C'est à peu près ici que l'on va retrouver, dans la nuit du 30 août 1888, le cadavre de la première victime de Jack l'Éventreur. Elle s'appelle Polly Nichols, Red Polly, non pas parce qu'elle est communiste, parce que tout simplement elle est rouquine. C'est un policier qui la trouve vers 2 heures du matin. Il pense que c'est quelqu'un qui est complètement saoul et qui dort. C'est le cas dans ces ruelles de Whitechapel. Mais en fait, lorsqu'il essaie de la réveiller,
Il la bouscule un peu et il voit une flaque de sang qui s'écoule. Pourtant, ce premier meurtre passe presque inaperçu. Les crimes sont monnaie courante dans l'East End. Le quartier est plongé dans une grande misère. Ici vivent les laissés pour compte de la glorieuse révolution industrielle. C'est le drame total. On vit à 8 dans une chambre. On n'a même pas de lit. On dort sur un coin de table. Dans les asiles de nuit, si on ne peut pas se payer un lit pour 4 pennies, on a droit à la corde. Est-ce que vous savez ce que c'est que de dormir à la corde? Alors, dormir à la corde, on se pose sur une corde et le matin, à 5h du matin, le propriétaire de cet hôtel de misère tire la corde, vous tombez par terre, vous êtes réveillé. Voilà. Les gens sont à la merci de la maladie, de la pauvreté. Et voilà ce qui nous fascine, c'est que ce Jack, il va agir dans cet instant. L'instant mystérieux, l'instant où personne n'oserait venir se promener un samedi ou un dimanche. Voilà. Au fil des semaines, on découvre de nouvelles victimes. L'horreur des crimes devient de plus en plus insoutenable. On sait désormais qu'on a affaire à un tueur en série, surnommé tout d'abord le boucher de Whitechapel. L'opinion publique s'empare de cette histoire. La reine Victoria, que pense-t-elle de tout ça? Bien d'abord, elle s'intéresse à Jack, parce qu'il attaque les pauvres de l'East End. Elle va le dire au ministre de l'Intérieur, il faut absolument que vous l'arrêtiez, je vous l'ordonne, c'est ma commande, il faut m'arrêter ce voyou. De gros moyens sont déployés, mais aucune piste ne mène la police à ce mystérieux Jack. Sans limite, le tueur va jusqu'à provoquer les autorités en s'adressant directement à la presse. Eric nous emmène aux archives nationales de la ville. Ici est conservé un document exceptionnel qui va donner une nouvelle tournure à l'affaire. Il s'agit d'une lettre à l'encre rouge. C'est celle d'un homme qui se dit être Jack l'Éventreur. C'est une très belle lettre, une très belle écriture, et qui est pleine d'humour, puisqu'il lui dit, rassurez-vous, je ne connais pas un policier assez malin pour pouvoir m'arrêter. En tout cas, je vous adresse mes meilleures salutations, votre ami Jack l'Éventreur. Et c'est lui qui se désigne sous le nom de Jack the Ripper, Jack l'Éventreur. Ce ne sont pas du tout les journalistes, ce n'est pas la presse qui invente ce nom, c'est lui-même qui signe Jack the Ripper. J'ai l'impression d'avoir en face de moi Jack. Et je crois que cette lettre est vraiment écrite par ce malade mental, ce criminel de génie qui s'appelait Jack l'Éventreur. On décide de publier cette lettre dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse l'écriture du suspect. Sans succès. Dès lors, la presse va donner un retentissement fracassant à cette affaire. La presse victorienne va énormément évoluer à partir de l'affaire de Jack l'Éventreur. Les tirages vont être extraordinaires. Les gens ne lisent pas, mais les gens savent regarder la page d'un journal. La page leur parle. À partir de là, ce qu'on appelle « the gutter press » en Angleterre, la presse du caniveau, mais alors va se développer à une vitesse extraordinaire. Les rotatives tournent et vraiment, tout se vend. Dès qu'on parle de Jack l'Éventreur, on est sûr d'avoir une vente. La frayeur est à son comble quand on découvre dans cet immeuble le corps de Mary Jane Kelly. Elle sera la cinquième et dernière victime à être sauvagement massacrée. Les meurtres vont subitement s'arrêter. On ne connaîtra jamais l'identité de Jack l'Éventreur. Mais une chose est certaine, ces crimes auront attiré l'attention sur ce quartier. La reine Victoria va exiger des changements complets dans l'East End. On va oublier la terre battue.
On va mettre des pavés. On va éclairer les rues. Les rues de l'Islande n'étaient pas éclairées. Les œuvres de charité vont descendre dans l'Islande. La reine Victoria dit, voilà, il faut absolument aller dans l'Islande, aider les autres. C'est votre devoir d'anglais et de chrétien. Et alors, ce qui est très intéressant également, c'est que vous avez un prêtre de l'église de Whitechapel qui s'appelle le révérend Barnett. Et il va faire un sermon tout à fait extraordinaire qui dit en gros... Jack, nous te remercions. Grâce à toi, la pauvreté va disparaître petit à petit de l'Islande de Londres. Désormais, nous savons que nous existons. Voilà. Londres, malgré son expansion fulgurante, est aussi une ville verte. Près d'un tiers de la capitale britannique est recouvert par des parcs. Des parcs qui font le charme de la ville. Les souverains anglais vont progressivement ouvrir leurs anciennes réserves de chasse au public. Ils offrent à leurs sujets des lieux de détente. En plein cœur d'Hyde Park, se trouve un endroit unique en son genre, le Speaker's Corner. À l'époque victorienne, l'Hyde Park est un lieu de manifestation privilégié. Pour éviter les débordements, on donne aux protestataires le droit de s'exprimer à cet endroit. Depuis 1872, chaque dimanche, des orateurs viennent y exposer librement leurs pensées. Aujourd'hui, les thèmes religieux sont les plus couramment abordés. I have other reasons to be a Catholic. From the outside, somebody might go, "Oh, there's a dispute. There's a controversy. Let's not believe in it." Democracy is so much more successful than any other system in the world. Can God have a son? Can God have a son? Jesus is special. He's special. Brother, how did you memorize the list? If he is one God, and he's also one God, I've told you that I want to think of them separately. Sur l'autre rive de la Tamise, Kew Garden. Ce parc était la grande fierté de la reine Victoria. À l'intérieur de ses serres, elle fait venir des quatre coins du monde les plus rares et les plus beaux spécimens végétaux. The fish need to be fed. Have you fed them yet? David Cook est l'un des jardiniers en chef de Kew. Il est en charge de cette incroyable collection botanique qui va faire sensation à l'époque victorienne. Les collectionneurs de Kew Garden traversent les frontières du royaume. Les botanistes partaient dans des contrées lointaines comme l'Asie du Sud-Est, la Chine, l'Amérique du Sud, pour amener ces plantes incroyables. Des orchidées, des bégonias, des plantes carnivores. Pour la première fois, les peintures se matérialisent ici. C'était une révolution pour les habitants, parce que ces gens avaient une vie assez ennuyeuse. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Alors, découvrir ces couleurs vives et ces plantes vertes, c'était fantastique pour eux. Victoria va également soutenir la recherche botanique. De nombreuses découvertes sont faites, comme cet immense nénuphar trouvé en Amazonie. Cette serre, la Water Lily House, a été spécialement conçue pour faire pousser cette plante incroyable qui date de l'époque victorienne, Victoria Cruziana. Elle a été nommée ainsi en hommage à la reine Victoria.
À partir d'une toute petite graine d'Amérique du Sud, le nénuphar atteint cette incroyable envergure de 2 mètres. Je ne pense pas que moi je pourrais monter dessus, mais un bébé pourrait s'y asseoir sans qu'il ne coule. Les architectes de l'époque de la reine Victoria se sont inspirés de la structure de ces nénuphars. Pour pouvoir construire les grandes serres en verre et en fer, ils ont reproduit la base de la feuille. Si Victoria permet à ses sujets de découvrir ses parcs royaux, elle-même se réfugie avec sa famille, loin de la capitale. Nous partons à présent sur la côte sud de l'Angleterre. L'île de Wight. C'est sur cette île que Victoria et Albert prennent leur quartier d'été. En 1845, le couple y fait construire la demeure d'Osborne. Albert est alors profondément marqué par le grand tour qu'il a effectué en Italie. Il décide de concevoir cette villa dans un style Renaissance italienne. Michael Hunter est le conservateur d'Osborne. Cette vue sur la mer est très spectaculaire. Je pense que c'est un excellent exemple du talent que possédait le prince Albert en tant que paysagiste. C'était un grand jardinier. Il aimait les plantes. Il n'hésitait pas à mettre les mains dans la terre pour planter des arbres et des fleurs. De temps en temps, la reine et ses enfants se joignaient même à lui. Il paraît que du haut de la tour, le prince donnait parfois des instructions à ses jardiniers pour positionner ses arbres. Il utilisait le sémaphore, ce système de communication avec des drapeaux. Il y avait des employés dans les jardins et le prince, grâce à ses drapeaux, les dirigeait un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et vous voyez, c'est ainsi que le paysage a pris forme. La décoration est réalisée par le couple lui-même et immortalise leur goût commun pour l'art. C'est également un cadre plus adapté à leur vie de famille. Lorsque Victoria a été couronnée, elle avait une multitude de propriétés à sa disposition, Buckingham, Windsor. Mais aucune de ces demeures n'était une maison de famille privée. Elles étaient somptueuses, immenses, mais n'avaient pas de nurserie, par exemple. Victoria et le prince Albert ont eu très rapidement beaucoup d'enfants. C'est pour cela qu'une maison de famille était très importante pour eux. Au bout de 3 ans de mariage, ils avaient déjà 2 enfants et un troisième était en route. Il leur fallait vraiment un foyer plus intime. La reine ne pouvait pas vraiment échapper à ses devoirs de souveraine. Toutefois, on peut dire qu'elle se sentait elle-même quand elle était dans le cocon familial. Elle adorait peindre, passer du temps dehors pour prendre un bon bol d'air frais. Elle aimait également nager à la plage, une des activités qu'elle appréciait particulièrement à Osborne et qu'elle ne pouvait faire nulle part ailleurs. Victoria et Albert vont être les heureux parents de 9 enfants. Thank you.
Pendant leur séjour d'été à Osborne, les enfants reçoivent une éducation simple, loin du protocole royal. Le couple va véhiculer au peuple britannique une image de bonheur conjugal. Ils forment une famille heureuse et aimante. Mais cette vie idyllique s'interrompt prématurément. Le prince Albert a eu une santé fragile tout au long de sa vie. Mais l'année 1861 a été particulièrement terrible pour lui. Son fils aîné, Bertie, le prince de Galles, s'était très mal comporté. Il avait une liaison avec une actrice. Bien sûr, c'était un grand choc pour le prince Albert. C'était un comportement inacceptable à ses yeux. C'est à partir de là que la santé d'Albert se dégrade de manière significative. Il n'avait déjà plus toutes ses forces, ni physiquement, ni mentalement, quand il contracte la typhoïde en décembre de cette même année. Il n'y survivra pas. Seulement âgé de 42 ans, Albert s'éteint le 14 décembre 1861 au château de Windsor. Victoria est anéantie. Elle se réfugie aussitôt dans l'intimité d'Osborne. Dans leur chambre, elle crée un véritable sanctuaire à la mémoire d'Albert. L'une de ses servantes compare l'ambiance du palais à Pompéi. Elle avait l'impression que la vie s'était totalement arrêtée dans la maison. La reine se cache ici pendant 3 mois. Je pense qu'elle a subi une sorte de dépression nerveuse. La vie ne sera plus jamais la même pour elle après 1861. Victoria ne quittera plus jamais ses habits noirs. Submergée par le chagrin, elle s'isole. Elle n'a plus le courage d'affronter les apparitions en public. Sans Albert, le devoir de reine lui devient insurmontable et son absence répétée met la monarchie en péril. La politique intérieure s'en détériore. Le mouvement républicain prend de l'ampleur. Au bout d'une décennie, Victoria se ressaisit et revient au devant de la scène. Pour asseoir son pouvoir, le gouvernement lui donne un titre qui va à tout jamais changer son image. En 1876, le Parlement la proclame impératrice des Indes. Elle a alors 56 ans. Victoria est à la tête d'un empire colonial si vaste que le soleil ne s'y couche jamais. Elle n'aura jamais l'occasion de se rendre aux Indes. Elle décide alors de les faire venir à elle, ici, à Osborne. Elle fait construire cette somptueuse et grande salle de réception indienne, la Durbar Room. Victoria va s'entourer de nombreux serviteurs indiens. Cet exotisme plaît à l'impératrice. L'un d'eux, Abdul Karim, va prendre une importance inattendue. Il n'a alors que 24 ans. Abdul Karim était d'abord un serviteur. Mais avec les années, la reine le promeut au sein de la cour royale. Il était désormais son secrétaire indien, avec un accès privilégié à la reine. Il s'occupait quotidiennement de ses papiers officiels et les lui apportait dans sa chambre. Il était devenu très important. Victoria est séduite par ce jeune Indien. Elle l'autorise même à participer à un grand divertissement familial. «
Ce livre est très intéressant. Il nous montre qu'il y avait une vraie tradition à Osborne, qu'on appelle les tableaux vivants. Ils prenaient place, ici, dans la pièce Durbar, à chaque Noël. Ces tableaux étaient des images vivantes, mais sans son ni dialogue. Ils prenaient place sur la scène. Le rideau se levait, et les membres de la famille royale et de la cour étaient en costume. Ils représentaient des scènes connues de poésie ou des scènes historiques. Il est normal que les membres de la famille s'attribuent les premiers rôles. Quant à la figuration, elle est reléguée aux membres de la cour. Abdul Karim n'échappe pas à la règle. Dans ce tableau appelé « Empire », Abdul Karim occupe une place plutôt au fond de la scène. Alors que plus tard, on peut voir dans celui-ci, Égypte, qu'il devient plus important. C'est lui qui pose en pharaon d'Égypte, à la place d'un membre de la famille royale. Donc je suppose que le fait qu'il occupe cette position éminente sur un trône prouve les faveurs que pouvait lui accorder la reine. Ces faveurs choquent la cour qui voit en Abdul Karim un usurpateur. Au décès de la reine, il sera renvoyé en Inde et finira ses jours à Agra dans la propriété que Victoria lui avait offerte. Cet empire britannique a fait de Londres la capitale multiculturelle qu'elle est aujourd'hui. Sur les 8 millions d'habitants, près de 500 000 sont originaires des anciennes Indes. C'est l'une des communautés les plus importantes de la métropole. Ces traditions ont une influence considérable sur la culture britannique, à commencer par la cuisine. Dipna est une jeune cuisinière. Sa famille s'est installée à Londres dans les années 70. Aujourd'hui, Dipna est une fière ambassadrice de ce que l'on appelle en Angleterre les curries, autrement dit, des plats mijotés aux épices indiennes. Les Anglais aiment tellement le curry qu'on dit aujourd'hui, au lieu de manger un fish and chips le vendredi soir, on va manger un curry. C'est un honneur pour nous, et spécialement pour moi qui suis née et qui ai grandi en Angleterre, de voir que la cuisine indienne tient une place aussi importante dans la culture britannique aujourd'hui. Dipna nous emmène dans son restaurant. I informed the guests, they said, okay, we are happy with that. Five more minutes. Okay, chef. Thank you. Depuis plusieurs siècles déjà, les Anglais raffolent de la cuisine venue des Indes, et plus récemment, du fameux poulet tikka masala, un mets typiquement indien, ou presque. Les gens ont une fausse idée quand vous leur demandez d'où vient le poulet tikka masala. Ils vous diront que ça vient d'Inde, mais en fait, pas du tout. C'est une invention anglaise. Cette recette ne vient ni de Bombay, ni de Calcutta. Elle a vu le jour au Royaume-Uni. La légende raconte qu'un client se plaignant de l'absence de sauce dans son plat de poulet, le cuisinier aurait alors ajouté ce qui restait dans ses placards. Le tikka masala était né. Ce plat est devenu rapidement un incontournable de tous les restaurants indiens du monde. Si vous étiez allé en Inde, il y a une trentaine d'années, que vous aviez commandé un poulet tikka masala, les serveurs n'auraient pas compris. Ça n'existait pas. Mais maintenant, ce plat a été importé du Royaume-Uni vers l'Inde. La tendance est inversée. Aujourd'hui, quand vous allez en Inde dans un restaurant et que vous demandez un poulet tikka masala, on vous le sert. Direction à présent le parc de Windsor, où se trouve l'un des plus prestigieux clubs de polo au monde, le Guards Polo Club. Ce sport est lui aussi un héritage indien.
À l'époque victorienne, les militaires britanniques postés dans l'Himalaya s'approprient ce sport. Lors des pauses, il est de tradition que les spectateurs envahissent le terrain. Naisha et Pretham sont originaires d'Inde. Elles travaillent dans la mode, lui est dentiste. Ils vivent tous les deux à Londres. Nous piétinons le sol pour faire disparaître les marques des sabots et que le jeu puisse reprendre. C'est marrant. Ça nous permet d'aller sur le terrain, de marcher sur la pelouse et de remettre le gazon en état. On a l'impression de faire partie du jeu, d'aider les joueurs, de faire quelque chose d'utile pour le match. À la fin du match, tout le monde se retrouve au clubhouse. Assister le dimanche à un match de polo, c'est l'occasion de se sentir un peu royal. Le polo a toujours été un sport de la haute société et de la famille royale. Et c'est ça qui vous donne le sentiment d'être spécial quand on vient ici. C'est amusant. Le plus important, c'est de s'amuser, de boire du thé, de rencontrer du beau monde et de regarder un bon match. C'est un mélange de tous ces éléments. En 1897, la reine est sur le trône depuis 60 ans, un record dans l'histoire du royaume. Le règne de Victoria est à son apogée. Elle a consolidé la monarchie et incarne désormais la puissance et la gloire de l'Empire britannique. C'est elle que l'on aperçoit dans ce carrosse. Pour la première fois, on célèbre un jubilé de diamants dans les rues de Londres. Le peuple est en liesse. Auprès d'elle, défile un régiment d'un millier d'hommes et des centaines de cavaliers venus de toutes les colonies. Un empire qui englobe près de 350 millions d'êtres humains et qui est la première puissance industrielle de l'histoire. La reine Victoria s'éteint en 1901 après avoir régné près de 64 ans. Elle va laisser derrière elle une grande lignée de monarques qui vont régner à leur tour un peu partout en Europe, ce qui lui vaudra le surnom de grand-mère de l'Europe. Alors nous allons partir à présent sur les traces d'une autre grande souveraine, la grande Catherine, Catherine II de Russie. Elle a régné au siècle précédent et le hasard fait que son petit-fils, le tsar Alexandre Ier, n'était autre que le parrain de la reine Victoria. Alors, destination à présent Saint-Pétersbourg, où nous attend la grande Catherine. Saint-Pétersbourg, capitale de la Russie pendant plus de 200 ans. C'est ici qu'une grande partie de l'histoire du pays s'est écrite. En 1703, le tsar Pierre le Grand fonde cette nouvelle ville pour permettre à la Russie d'ouvrir une fenêtre sur l'Europe. Au
Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg est la deuxième ville du pays. Avec ses quelques 250 musées et 4000 monuments, elle porte encore l'empreinte majestueuse des tsars et des tsarines. Une souveraine va faire de cette cité ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une petite princesse d'origine allemande. Et cette petite princesse allemande, eh bien, c'est Catherine II, dont la statue se trouve au cœur de Saint-Pétersbourg. Elle a été érigée par son arrière-petit-fils, le tsar Alexandre II, qui voulait ainsi rendre hommage à celle que l'histoire va surnommer la Grande Catherine. Alors Catherine II, eh bien, elle trône en majesté, elle a à ses pieds 9 personnages qui sont les personnages les plus emblématiques, les plus importants de son époque, et parmi eux deux hommes, Orloff et Potemkin, qui ont été deux de ses amants. Mais je reviendrai sur cet épisode amoureux. Alors cette statue, eh bien, elle est là pour dire aux habitants de Saint-Pétersbourg combien le rôle de Catherine II a été extrêmement important pour ce pays, et cela pendant tout son règne qui a duré 34 ans, et pourtant, rien ne laissait penser que cette petite princesse allemande allait avoir un destin hors norme, destin que je vais vous raconter. Catherine II naît en 1729, au nord de l'Allemagne, dans une famille princière. Elle se prénomme alors Sophie. En manque d'affection, elle se réfugie dans la lecture et se révèle très vite plus mature que les jeunes filles de son âge. Mais une lettre va bouleverser son destin. Élisabeth Ière, alors impératrice de Russie, veut la marier à son neveu, le futur tsar Pierre III. Il fait partie de la dynastie des Romanov. Âgée d'à peine 15 ans, elle arrive à la cour impériale de Russie. Elle se convertit en grande pompe à la religion orthodoxe et prend officiellement le prénom de Catherine. Les noces entre Pierre et Catherine seront célébrées ici, à Saint-Pétersbourg, en 1745. Mais tout de suite, la mésentente au sein du couple semble évidente, si bien que c'est Élisabeth Ière elle-même qui conseille à Catherine II de prendre un amant. Et son premier amant, elle en aura bien d'autres, s'appelle Sergueï Saltykov. Et quelques temps après, Catherine II va donner naissance à un fils. Beaucoup penseront qu'il est le fruit de cette liaison. À la mort d'Élisabeth Ière, eh bien, tout naturellement, c'est Pierre III qui monte sur le trône et ses relations avec son épouse Catherine vont devenir exécrables. Et c'est au palais d'été de Peterhof, en juin 1762, que va basculer pour la deuxième fois le destin de Catherine. Peterhof, où je vous emmène. Le palais de Peterhof se situe à 30 km de Saint-Pétersbourg. Il borde le golfe de Finlande. Peterhof est considéré comme l'une des 7 merveilles de la Russie. C'est le manifeste de la folie des grandeurs de Pierre le Grand. Le tsar veut éclipser tous les autres palais royaux d'Europe, à commencer par Versailles. La Grande Cascade s'inspire de celle construite pour Louis XIV au château de Marly. C'est ici que le destin de Catherine II s'est joué. Pendant plusieurs années, Catherine va subir de nombreuses humiliations de la part de son époux Pierre III. Après 16 ans de mariage, il veut la mettre au couvent et installer sa maîtresse à sa place. Elle risque la répudiation. À cela s'ajoutent les multiples maladresses politiques de son mari. Catherine II décide de réagir.
Aidée par les frères Orlov, elle renverse le tsar. Dans la nuit du 27 juin 1762, elle quitte le pavillon Montplaisir situé dans le parc de Petrov pour rejoindre Saint-Pétersbourg. Elle rallie à sa cause les régiments de la garde impériale. Acclamée par la foule, Catherine fait emprisonner son mari. L'empereur déchu est assassiné quelques jours plus tard. Catherine II est proclamée impératrice. Le 22 septembre 1762, elle se fait couronner dans la cathédrale de l'Assomption à Moscou. L'homme qui a permis à Catherine d'accéder au trône, c'est Grigori, l'un des frères Orlov, un jeune militaire de 25 ans, son premier grand amour. La tsarine le couvre de cadeaux. Elle lui fait construire un palais grandiose en plein cœur de Saint-Pétersbourg. Il est le seul édifice du XVIIIe siècle à être entièrement habillé de marbre de différentes couleurs. Elena Kochetova nous ouvre les portes du grand salon de marbre. Au plafond, le mariage de Cupidon et Psyché rend hommage à leur histoire d'amour. Catherine II souhaite que ce palais, qu'elle fait construire tout spécialement pour son favori, soit égal à celui d'un tsar. Catherine était généreuse avec son amant, mais lui aussi l'était avec elle. Tout le monde sait qu'il lui a offert un diamant magnifique qui est sur le sceptre impérial. Il porte d'ailleurs le nom de diamant Orlov. Il est très gros, vraiment magnifique. C'est devenu l'un des symboles de l'Empire russe. Ce palais a coûté 1 600 000 roubles, une somme colossale à l'époque. Orlov devient incontournable à la cour. Il déjoue les complots et affronte avec courage les situations de crise. Certains événements auraient pu avoir des conséquences tragiques, comme par exemple la peste à Moscou. La situation était explosive et on sait qu'une révolte pouvait être très grave. Orlov a fait tout ce qu'il pouvait pour maîtriser la crise. Il a su enrayer l'épidémie et empêcher toute révolte. On peut parler d'un véritable exploit. Catherine II va vivre avec lui plus de 10 années de bonheur. Mais lassée par ses infidélités, elle répudie Orlov. Le palais de marbre hébergera désormais d'autres amants de la tsarine. Mais la légitimité de Catherine II est l'objet de vives critiques. Pas une goutte de sang russe ne coule dans ses veines. Pire encore, les circonstances du décès de son mari demeurent troubles. Pour reconquérir son peuple, l'impératrice est prête à tout. Elle va utiliser l'art comme outil de propagande. Elle se fait représenter triomphante au moment de son accession au pouvoir. Ce tableau se trouve aujourd'hui dans la salle du trône du palais de Petrov. Emmanuel Ducamp est historien de l'art et spécialiste de la Russie. Sur le tableau, l'impératrice, la nouvelle impératrice, porte l'uniforme de colonel du régiment Preobrajensky. Comme il n'y avait pas d'uniforme de femme, ce sont des officiers du régiment qui lui ont prêté des vêtements d'homme et elle a enfourché un cheval à la façon d'un homme. Sans doute aussi parce que c'était le meilleur moyen de gagner l'assentiment des soldats. C'est quelqu'un qui a très vite saisi le pouvoir des images. Et elle l'utilisera pendant tout son règne. Elle se fera représenter de très nombreuses fois
d'abord, en effet, comme une impératrice victorieuse, ensuite comme une impératrice législatrice, quelqu'un qui pense au bien-être de ses sujets, qui donc prouve un niveau de civilisation aussi grand que celui des autres souverains européens. Et lorsqu'elle est couronnée dans la cathédrale de l'Assomption, l'ambassadeur d'Angleterre, Lord Buckingham, dit qu'elle dégageait d'elle une impression de puissance, de force et de volonté. Et c'est, je crois, ce qui ressort de ce tableau. Quelqu'un qui n'a absolument pas peur d'être assis sur un trône et qui n'a pas peur de mener la Russie vers une destinée glorieuse. Catherine II va plus loin. Elle veut étendre son territoire et déclenche une guerre contre les Ottomans. La flotte russe entreprend alors un long voyage vers la Turquie. Les Turcs se réfugient dans la baie de Çeşme, sur la mer Égée. Ils pensent alors être à l'abri d'une attaque. Mais les Russes envoient des navires chargés d'explosifs. La flotte ottomane est entièrement détruite. C'est la première fois que la Russie remporte une victoire navale aussi éclatante. Pour célébrer ce triomphe, l'impératrice commande une série de 12 tableaux au peintre allemand Ackert. Le problème, c'est qu'il n'a jamais vu de navire brûlé. Qu'à cela ne tienne, l'impératrice organise d'envoyer un bateau de la flotte russe à Livourne, en Italie, pour être plus proche du peintre. Et dans le port de Livourne, on met tout simplement ce bateau, j'allais dire, sur la table sacrificielle. On le fait exploser et brûler de façon à ce que le peintre ait sous les yeux un véritable navire brûlant dans la réalité et puisse le retranscrire sur la toile. Un navire, à l'époque, coûte beaucoup d'argent. Qu'on se rappelle l'anecdote selon laquelle Marie-Antoinette refuse d'acheter le collier de diamants parce qu'elle préfère que la France ait un navire de guerre en plus. En Russie, c'est la même chose, mais l'impératrice est suffisamment riche pour se permettre ce genre de petite bagatelle. Il y a une autre salle du palais de Peterhof que je voudrais vous faire découvrir. C'est Catherine II qui l'a fait aménager. Il s'agit du cabinet des modes et des grâces, appelé aussi salle des portraits. Ce cabinet des modes et des grâces, il est particulièrement intéressant car il illustre parfaitement l'intérêt que Catherine II portait au monde des arts. En effet, 2 ans avant de monter sur le trône, Catherine II avait acquis une collection de portraits d'un peintre italien, Pietro Rotari. Et lorsqu'elle arrive au pouvoir, eh bien, elle demande à un architecte français, Jean-Baptiste Valin de la Motte, de décorer cette pièce. Et ensemble, ils vont avoir l'idée de réutiliser les tableaux acquis 2 ans auparavant et d'en tapisser cette pièce. C'était très à la mode à l'époque. 368 tableaux, la plupart représentent des jeunes filles. Pendant son règne, Catherine II se rendra au palais de Peterhof les 28 et 29 juin de chaque année pour y célébrer l'anniversaire de sa prise de pouvoir. Sa véritable résidence d'été, c'est ce château, le château de Tsarskoïe Selo. Il se situe à 20 km au sud de Saint-Pétersbourg. Sa façade bleu azur, ornée de colonnes blanches, s'étend sur plus de 300 mètres.
Pour imposer son style, l'impératrice fait appel à l'architecte écossais Charles Cameron. Il est alors très en vogue en Angleterre. L'une de ses plus élégantes réalisations, cette étonnante galerie de marbre. À l'époque, on redécouvre les ruines de la Rome antique. Cette galerie est comme une galerie des inspirateurs de Catherine II. On y retrouve une espèce de panthéon au milieu duquel elle va choisir des figures extraordinaires qui vont inspirer ses actes au XVIIIe siècle. Hannibal, ici, est connu pour ses actes héroïques, avoir traversé les Alpes. On retrouve également César, on retrouve Cicéron, Sénèque. Et vraisemblablement, elle pense à leurs écrits et elle désire, j'imagine aussi, être vue comme une impératrice qui, peut-être dans le futur, figurera aussi dans une telle galerie de personnages admirables. L'histoire raconte que Catherine II se lève tôt le matin. Elle prépare son café, seule, alors que ses serviteurs dorment encore. Elle emprunte la galerie de Cameron pour rejoindre le pavillon du matin où elle écrit son courrier. Le palais de Tsarskoye Selo est devenu le terrain de jeu favori de l'impératrice. Elle invite Charles Cameron à redessiner les intérieurs avec les matériaux les plus précieux. Une pièce illustre parfaitement le raffinement de ce palais, c'est le salon d'ambre. Cette pièce est sans doute la plus spectaculaire de ce palais. Elle est entièrement constituée de panneaux d'ambre. L'ambre, c'est une résine naturelle qui, avec la lumière, se charge de reflets de miel plus ou moins ocre et qui, mariée avec toutes ces dorures, donne des résultats très impressionnants. Cet ensemble, c'est un cadeau diplomatique fait par le roi de Prusse, Frédéric Ier, à Pierre le Grand. On voit d'ailleurs ici l'aigle prussien qui signe l'origine de ce cadeau. C'est l'impératrice Élisabeth, la fille de Pierre le Grand, qui va faire installer dans ce palais ses panneaux d'ambre. Et elle va y apporter sa propre touche en y ajoutant une série d'antiques qui sont en pierre dure et qui ont été réalisées à Florence. Un peu plus tard, c'est Catherine II qui adorait cette pièce et qui, à son tour, va y mettre son empreinte en y ajoutant quelques éléments, comme cette console d'angle, par exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce palais a été occupé par les Allemands. Ils en ont profité pour démonter cet ensemble et le réinstaller dans l'ancien château des rois de Prusse, à Königsberg. À la fin de la guerre, en 1945, l'ensemble est porté disparu et c'est à la fin des années 70 qu'il est entièrement reconstitué à l'identique ici, dans ce palais. Les travaux auront duré 25 ans et nécessité 6 tonnes d'ambre. Un raffinement qui se trouve aussi dans le mode de vie à la cour. La superbe salle de bal du palais reflète les fastes sous le règne de Catherine II. Pour éblouir ses convives, elle fait importer des services de porcelaine de Sèvres, des soieries de Lyon, ainsi que des tables dites volantes. Irai Dabot est la conservatrice du château. Si l'on souhaitait commander un dessert, on prenait cette craie et on marquait « dessert » sur l'assiette. Les plats étaient déjà prêts, le choix était assez varié.
Après, il suffisait de tirer la petite corde par ce bout. La cloche sonnait en bas, l'assiette descendait pour remonter ensuite avec la commande. La vie à la cour, c'est un grand spectacle où chacun est en représentation. Il faut faire attention en permanence à ce qu'on raconte, tout se sait. On peut supposer que l'impératrice et son entourage avaient besoin de se retrouver en petit comité pour discuter au calme. Ici, les cinq tables étaient dotées de ce mécanisme et ainsi la salle se transformait en salon de danse. À l'époque, les invités étaient vraiment bluffés. Catherine II a non seulement réussi à s'imposer comme une grande impératrice, à se faire aimer du peuple russe, elle a aussi trouvé le grand amour. Elle a 45 ans et règne désormais avec un homme à ses côtés, Potemkin. Elle a remarqué ce jeune militaire dès son accession au pouvoir. Vladimir Fedorovski a redécouvert la correspondance privée de l'impératrice. La première rencontre de Potemkin est inoubliable. Elle se passait quand, au moment de coup d'État, elle a déjà gagné. Et c'était un moment de liesse. Elle est applaudie, elle passe entre les rangées de la garde impériale. Et à un moment donné, elle s'arrête, elle se retourne. Et dit, qui est-ce? C'est ton lieutenant Potemkin, on lui répond. Il fait quelques pas, il se retourne de nouveau. Il a dit, il est trop beau pour être lieutenant. Qu'on le nomme capitaine. Ayant mis un terme à sa liaison avec Orlov, c'est Catherine qui va faire le premier pas. Elle convoque Potemkin dans les appartements de son palais d'hiver de l'Ermitage, en plein cœur de Saint-Pétersbourg. Je voudrais vous raconter une anecdote au sujet de Potemkin. Elle est relatée dans le journal des cérémonies du Palais d'Hiver. L'action se situe ici, dans ce grand escalier de marbre blanc. Nous sommes le 4 février 1774, le soir. Potemkin rencontre Orlov. Celui-ci vient de quitter Catherine II. Potemkin, lui, a rendez-vous avec elle dans ses appartements privés et tout naturellement demande à Orlov quoi de neuf au palais. Celui-ci répond... Un brin philosophe, rien, je descends, vous montez. Et c'est ainsi que commence l'ascension de Potemkin auprès de la grande Catherine. Musicien, poète, grand amateur d'art, Potemkin séduit l'impératrice par son charisme et son physique imposant. Ils se voient à toute heure du jour et de la nuit et entretiennent une correspondance secrète. Nous avons de la chance de suivre l'évolution de leur amour grâce à des petits billets. C'est des billets absolument étonnants, d'une modernité de la langue, une sorte d'SMS écrit avec une langue très soignée, souvent en français. Et ça, c'est l'évolution de leur amour est étonnante parce qu'au début, c'est un coup de foudre, une passion physique absolue. Dans une lettre, elle dit
Les vraies histoires d'amour, c'est toujours après 40 ans. Il a eu l'histoire d'amour absolue à 44 ans. Tout ce que j'ai lu sur toutes ces lettres secrètes de la grande Catherine prouve que c'était tout simplement une découverte de l'amour sensuel. Elle n'a jamais connu un grand coup comme ça, si on permettait le mot, comme Potemkin. Elle était absolument éblouie par les performances sensuelles de Potemkin. Potemkin devient l'un des personnages les plus puissants de l'État. Il s'illustre par une brillante carrière militaire. Sous son commandement, la Russie élargit considérablement ses frontières. Catherine II multiplie les marques de faveur à son égard. Elle éponge ses dettes de jeu et le nomme « prince de l'Empire ». Potemkin s'installe au palais d'hiver de l'Ermitage. L'impératrice fait spécialement aménager des appartements pour lui. Aujourd'hui, l'Ermitage regroupe plusieurs bâtiments. Parmi eux, le nouvel Ermitage. Son entrée est reconnaissable entre toutes. Son portique est orné de 10 impressionnantes statues, les Atlantes. Catherine II confie une partie de l'aménagement du palais à l'architecte italien Giacomo Quarenghi, et notamment une de ses salles, les loges de Raphaël. Ces loges sont en fait la copie du décor peint par Raphaël dans les loges du Vatican. À un détail près, c'est que le blason papal a été remplacé par l'emblème des Romanov. Un ancien conservateur de l'Ermitage avait l'habitude de dire que l'impératrice ne pouvant se rendre en Italie, eh bien, c'était l'Italie qui était venue à elle. Catherine II aimait particulièrement cet endroit. Elle aimait s'y promener en fin de journée. Elle avait fait de l'Ermitage un lieu de rencontre, un lieu de conversation, de divertissement. Aujourd'hui, c'est devenu le grand musée qu'on connaît. Pendant son règne, Catherine II rassemble ici 3 millions de chefs-d'œuvre. Pour parvenir à ce chiffre impressionnant, la tsarine innove. Elle se procure des collections entières d'œuvres d'art. Pour sa première acquisition, elle achète 300 tableaux, dont le jeune homme aux gants du peintre hollandais Frans Hals. Guillaume Nicou est français. Il fait des recherches sur les collections de Catherine II. Si Catherine II achète par collections entières dès 1764, c'est qu'elle arrive dans un palais d'hiver qu'il faut aménager et décorer. Elle a donc besoin de tableaux pour décorer ses appartements, d'autant qu'en Russie à l'époque, on accroche bien souvent les tableaux bords à bord, dans une sorte de tapisserie murale. Mais bien sûr, parfois, il manquait des œuvres à la bonne dimension. Par chance, on avait le conservateur des lieux qui était peintre et on demandait à cet artiste, Groot, de peindre une toile de sa composition, un oiseau ou une poule. Il y avait donc de bons tableaux comme ce Frontals et quelques tableaux qui sont à la limite de, on pourrait appeler des croûtes. Voilà. Ces tableaux marquent le début d'une longue série d'acquisitions spectaculaires. C'est par l'intermédiaire du philosophe français Diderot que l'impératrice effectue sa plus belle opération,
400 tableaux appartenant au financier Pierre Croza. La collection est extraordinaire. On y trouve des tableaux de Rembrandt, Véronèse, ou encore Raphaël. En acquérant la collection Croza, elle réussit enfin à donner à son ermitage une collection impériale digne de ce nom. Elle démontre à toute l'Europe que dorénavant, à la tête de la Russie, il y a une impératrice civilisée et que la Russie est dorénavant aussi un pays civilisé avec lequel il faut dorénavant compter, même sur le plan artistique. Catherine II est à l'affût des dernières nouveautés. Elle lit les revues artistiques que lui conseille Diderot et consulte les critiques du Salon du Louvre. Pour concurrencer la cour de Versailles, l'impératrice soutient les peintres français avant-gardistes, Hubert Robert ou Jean-Baptiste Greuze, avec son célèbre tableau, Le Paralytique. Elle montre qu'elle aime la peinture novatrice que propose Greuze. Elle soutient donc ce qui se fait de nouveau en matière de peinture à Paris à cette époque-là. Et puis, elle fait un coup politique, parce que si Versailles ne le veut pas, elle, au moins, elle peut l'acheter. Et elle a surtout les moyens d'acheter un tableau que Greuze voulait vendre vraiment très cher. À la fin de son règne, l'Ermitage compte près de 4000 tableaux, dont Le retour du fils prodigue de Rembrandt. Catherine II s'intéresse aussi à la littérature française. Elle est l'amie des Lumières. Lorsque Diderot rencontre des problèmes financiers, elle lui rachète sa bibliothèque et lui verse une pension. Elle achète également la totalité de la bibliothèque de Voltaire à la mort du philosophe. Une collection de 7000 ouvrages annotés de la main de l'écrivain. Ces livres sont conservés à la Bibliothèque nationale de Russie, à Saint-Pétersbourg. Nikolaï Kopanev dirige la Bibliothèque Voltaire. C'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, annoté par Voltaire, qui était très critique pour les idées révolutionnaires, socialistes, communistes de Rousseau. Bien faux, écrit Voltaire. Les rois d'Angleterre ne sont que rois des Anglais. Obscur et faux. Tu n'es pas géomètre. Et c'est exceptionnel, hein. Ressource exceptionnelle d'études de la pensée philosophique du XVIIIe siècle. Quand il n'avait pas de stylo, il prenait un bout de papier et le collait par la salive là où il faisait une note marginale. Et donc comme ça, ici sont conservés même les morceaux de la salive de Voltaire. On peut faire les tests génétiques complets ici, à base de la bibliothèque de Voltaire. Catherine II fait installer la bibliothèque de Voltaire à l'Ermitage, dans ses appartements. Elle utilisait les livres de Voltaire chaque jour, consultait les notes marginales de Voltaire, les utilisait. Et par ce biais, elle a été informée de toutes les nouveautés de la culture européenne. Si Catherine acquiert cette bibliothèque, c'est aussi parce qu'elle veut récupérer les lettres secrètes qu'elle envoie chaque semaine à Voltaire. L'écrivain est devenu son conseiller politique. Il a conseillé à Catherine II, par exemple, à libérer les paysans. Ça, c'était l'idée de tous les philosophes français pour
dynamiser l'économie russe. Il a largement soutenu l'idée de Catherine II à faire la guerre contre la Turquie. Donc on peut parler de Voltaire comme d'un vrai intermédiaire idéologique, politique et culturel entre la Russie et la France à cette époque-là. Voltaire voit en Catherine II un monarque éclairé. Il la qualifie d'ailleurs de plus grand homme du siècle. Pour hisser la Russie au rang des grandes nations européennes, Catherine II souhaite disposer de son propre vivier d'artistes russes. À Saint-Pétersbourg, il y a un lieu qui exprime cette volonté de l'impératrice, l'Académie des Beaux-Arts, ouverte en 1764. Ce bâtiment, conçu par l'architecte français Valin de la Motte, s'organise autour d'une vaste cour circulaire. Elle fait la taille du Panthéon à Rome. Pour moi, cela caractérise bien la démesure de l'architecture du XVIIIe siècle, quand on construisait sans se soucier des dimensions. Cette démesure propre à l'époque de Catherine II, ce sont les Français qui l'ont apportée. C'est comme ça qu'ils voyaient la Russie. Catherine II souhaite créer une élite artistique nationale. Pour atteindre son objectif, elle met à la disposition des élèves de l'Académie les copies des plus grands chefs-d'œuvre. Grâce à ces moulages en plâtre ramenés d'Italie, les élèves apprenaient les proportions du corps. C'était la base de leur travail. Et puis après, ils apprenaient à dessiner le corps en mouvement. Grâce à cela, ils comprenaient mieux l'art en général. Catherine II introduit à l'Académie des cours de dessin et d'anatomie. Pour la première fois en Russie, des modèles posent nus devant les élèves. La tsarine encourage également les étudiants à visiter les plus grandes capitales d'Europe, ce qu'on appelle le Grand Tour. Le Grand Tour était une aventure très répandue à l'époque en Europe. C'était une idée magnifique du XVIIIe siècle, une aventure qui a aussi touché la Russie. Les jeunes gens traversaient l'Italie, la France, l'Allemagne, ils découvraient l'art classique. L'Académie envoyait ses meilleurs élèves en France ou bien en Italie pour qu'ils puissent admirer les monuments dans leur environnement réel. Le programme n'a guère changé depuis l'époque de Catherine II. Aujourd'hui encore, l'Académie forme des étudiants du monde entier. Mais les Beaux-Arts recèlent un autre trésor. Cette collection unique de maquettes. Chez Catherine II, l'envie de bâtir est permanente. Mais avant de lancer de nouveaux chantiers, l'impératrice exige que les architectes lui présentent non pas des plans, mais des édifices miniatures. Après la peinture et la sculpture,
Catherine II s'intéresse aussi à la danse. L'emblème des ballets à Saint-Pétersbourg, c'est le théâtre Mariinsky. Pendant le règne de Catherine II, l'Académie de danse est modernisée. Aujourd'hui, elle accueille toujours les meilleurs danseurs du pays et du monde. Elena a 30 ans. Elle vient de passer première soliste. Il ne lui reste plus qu'une étape avant de devenir danseuse étoile. Elena a réalisé son rêve de ballerine en dansant sur la scène mythique du théâtre Mariinsky. C'est ici qu'ont évolué les plus grandes étoiles, comme Nijinsky ou Nourieff. Le cristal des lustres, les dorures, la couleur des sièges. Rien n'a été choisi au hasard dans cette salle. La couleur turquoise a été choisie parce que cette couleur est douce. Elle n'irrite pas les yeux. Et l'or, parce que c'était un théâtre impérial. Ces couleurs ne distraient pas le spectateur. Il reste concentré sur ce qui se passe sur scène. Donc le mariage du turquoise et de l'or est idéal. Quand elle n'est pas en tournée, Elena s'entraîne ici chaque jour. Elle connaît les moindres recoins du Mariinsky. Dans l'atelier où sont entreposés les costumes, des centaines de tutus témoignent de l'évolution de la danse depuis l'époque de Catherine II. Avant, les costumes étaient très lourds. Tout était différent dans la danse. Pas de saut très haut, pas de pirouette rapide. Il y a une explication à cela. Il était interdit de montrer ses jambes. C'était même inimaginable d'apercevoir une cheville de la ballerine. On ne voyait qu'un petit bout de chaussure. Si les admirateurs, malgré tout, pouvaient voir une cheville, ils étaient en extase. Juste à côté, à quelques pas, se trouve le Mariinsky II. À la tête de ce complexe culturel, le chef d'orchestre, Valéry Gergiev. C'est avec lui que j'ai rendez-vous. Maestro, nous sommes ici chez vous. Merci de nous recevoir dans ce magnifique théâtre Mariinsky. La grande Catherine, Catherine II, a beaucoup œuvré pour la Russie, et notamment pour Saint-Pétersbourg, en matière d'art. Est-ce que c'est un personnage historique qui vous inspire? Ce qui m'intéresse chez elle, c'est qu'elle peut être comparée aux Médicis. Peut-être y a-t-il d'autres parallèles. C'est juste le premier exemple qui m'est venu à l'esprit. Catherine II a été, comme on dit aujourd'hui, un des plus grands investisseurs dans la culture de toute l'histoire de l'humanité. Et le résultat en a été qu'après Pierre le Grand, elle a créé des possibilités colossales pour Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, on peut dire que cette ville est non seulement un monument à Pierre le Grand, mais aussi à Catherine II. On vous voit souvent en France, on vous a vu à Aix, au Festival de Pâques, on vous a vu à Paris pour le Sacre du Printemps. Quel regard portez-vous sur la France et sur la culture française ? En ce qui concerne la culture française, ici, en Russie,
Nous sentons à quel point nos deux cultures sont entrelacées. Je le sens parce que Berlioz est venu dans ce théâtre. Il y est venu à deux reprises. Debussy a passé beaucoup de temps à Saint-Pétersbourg et d'autres Français illustres. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes le tsar de la musique ? Je pense qu'avant 1917, les tsars ont beaucoup fait pour qu'il y ait le théâtre Mariinsky. L'Ermitage. Catherine II a fait construire beaucoup de palais magnifiques. Pierre le Grand a fait bâtir Saint-Pétersbourg. Ils étaient des tsars, mais pas nous. En même temps, nous vivons dans la ville des tsars. ...34 années de pouvoir absolu. De nombreux amants et favoris. Une passion constante pour les arts et la culture. La petite princesse allemande devenue la grande Catherine aura façonné bien plus que la ville de Saint-Pétersbourg. À sa mort, Catherine II laissera une empreinte considérable dans son pays, si bien qu'aujourd'hui encore, les Russes revendiquent haut et fort cet héritage. Alors, l'impératrice Catherine en Russie, la reine Victoria en Angleterre, voilà deux femmes qui ont fait preuve d'une immense ambition pour leur nation en essayant de les porter au plus haut niveau de l'Europe. Voilà, c'est ainsi que se termine ce grand tour, mais le voyage continue. C'est par la fin que tout commence. À bientôt.